عليكم ورحمة الله. مرحبا بالإخوة الكرام والأخوات والحضور، سواء معنا أو هم عبر الأثير أو ممن يستمع بعد ذلك لمدد حافظات الصوت. هذا اللقاء هم قدره الله عز وجل، والحمد لله على توفيقه. وهذه المجالس خير ما يكون فيها ذكر الله كيف وهي بيوت الله، وخير ما يكون الذكر عندما يكون العلم يتعلق بشيء ما لله تبارك وتعالى من حق، فحق الله هو الحق المقدم. وخير ما يكون في ذلك العقيدة التي تنعقد عليها القلوب وتؤمن بالله. أنا نسيت أن الدرس مترجم، وليست هذه طريقتي في الحديث، إنما أتكلم قليل، لكني رأيت الوجوه أكثرها يعون ما أقول فانطلقت في الكلام، فهنا أتوقف. تفضل يا شنقيط. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، donc le cheikh il dit alhamdulillah qu'Allah a permis cette rencontre dans une demeure qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure chose à faire dedans c'est bien le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quel meilleur rappel que le fait d'étudier ensemble la croyance, le dogme, le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a parlé juste avant, il avait dit quand le frère s'est converti que normalement on se doit tous de le féliciter, même de le prendre dans les bras, pas rester comme ça en voyant quelqu'un qui s'est converti à l'islam. C'est une grande joie, un grand bien de voir quelqu'un entrer dans l'islam. Alhamdoulilah, et on est content de voir des gens entrer dans l'islam, mais qu'Allah nous en préserve. Et il y a aussi des gens qui quittent l'islam. Et cet homme, en entrant dans l'islam, il a sauvé son âme du feu de l'enfer. Donc le cheikh, avec le frère qui s'est converti, il lui a posé des questions. Il lui a demandé, est-ce qu'il sait ce que veut dire une conversion à l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Qu'est la soumission? Puis il lui a demandé, sais-tu que veut dire la profession de foi? La première qui est la ilaha illallah, et la seconde que Muhammad est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a fait comprendre que la ilaha illallah, c'est que nul n'est adorant en vérité si ce n'est Allah, qui n'a pas le droit d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, le véritable ayant droit de l'adoration. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le sceau et le dernier des prophètes et des messagers. Il n'y a plus de prophète après lui. Et qu'en tant que musulmans, nous croyons en tous les prophètes et tous les messagers qui ont été envoyés. Il a donné à titre d'exemple le nom de Nuh alayhi salam, de Ibrahim alayhi salam, de Moussa alayhi salam, de Isa alayhi salam. Et le dernier et le sceau de tous ces prophètes, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a bien précisé que celui qui décide d'entrer dans l'islam, il y entre pour ne pas sortir, pour ne pas quitter cette religion. حديثنا في هذا المجلس رسالة مختصرة ألفها أحد علماء المسلمين. Donc notre cours qui va suivre concerne un petit ouvrage qui a été écrit par un grand savant parmi les savants de l'islam. تكلم فيها عن أمور مهمة. Il parle dedans de questions importantes. وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Et ce savant, c'est le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah l'ait dans sa miséricorde. Cet écrit, il l'a écrit pour que ce soit bénéfique pour sa propre personne ainsi que pour ses frères musulmans de son époque. Et nous commençons, qu'Allah nous donne la bénédiction. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أنت اقراها بالفرنسي وأنا اقراها بالعربي. طيب. قال المؤلف رحمه الله، أسأل الله العظيم
رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا حيثما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. Donc, je vais lire la traduction du début de cet ouvrage de Al-Qawa'id Al-Arba', les quatre règles de base. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est auprès de lui que nous recherchons assistance. Je demande à Allah, le généreux, maître du trône immense, qu'il t'assiste ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Qu'il te bénisse où que tu sois et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, de patient lorsqu'il est touché par une épreuve et qui demande pardon lorsqu'il commet un péché. هذه المقدمة تجدون أن المؤلف بدأ بالدعاء أسأل الله العظيم وهذه فيها في الحقيقة مقدمة لطيفة إلى من يقرأ هذه الرسالة أو من يسمع هذه الرسالة أن المتكلم يدعي لك بأن يرشدك الله عز وجل وأن يهديك ويوفقك وأن يجعلك من أوليائه أن يتولاك في الدنيا والآخرة من هم الذين يتولاهم الله؟ هم الصالحين هم أولياء الله هم المباركين وأن يجعلك مباركا حيثما كنت فمن هو ولي الله؟ هل الولي لابد أن يكون من أسرة معينة؟ Donc on voit que le cheikh a commencé par des invocations. Il y a une leçon à tirer là-dessus, c'est que le cheikh fait des du'as, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui va lire cet ouvrage, pour celui qui écoute cet ouvrage, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'honneur, pour qu'il devienne un des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit guidé par Allah. Et les alliés d'Allah, ce sont ceux qui ont eu cet honneur, qui sont les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il vient à préciser qui est l'allié d'Allah, celui qu'on appelle Al-Wali. Est-ce que c'est par un lien de sang qu'on devient Wali? Est-ce que l'allié d'Allah, il se doit de s'habiller d'une manière bien précise? Ou alors qu'il soit d'une race bien précise? Ou d'une tribu bien précise? Ou d'une communauté ou d'un groupe bien précis, ou d'un cheminement bien précis, ou d'une famille bien précise, ou d'une école de pensée bien précise. Non. L'allié d'Allah, c'est celui qui a certaines particularités. Que ce soit un musulman ancien ou nouveau. Que ce soit un arabe ou un non-arabe. Qu'il soit noir ou blanc. Que ce soit un gouvernant ou un gouverné. Que ce soit un pauvre ou un riche. Ce n'est pas une condition, cela. Il faut seulement qu'il ait les particularités qui vont suivre. Premièrement, qu'il soit monothéiste. Deuxièmement, qu'il soit très loin du polythéisme. Troisièmement, qu'il soit un suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, qu'il soit très loin de l'innovation et de la contradiction de la sunna. Cinquièmement, qu'il soit droit dans les ordres d'Allah. Sixièmement, qu'il soit très loin de la désobéissance d'Allah. Septièmement et huitièmement, qu'il soit éloigné des tentations et des ambiguïtés. Qu'il soit mâle ou femelle, homme ou femme.
C'est celui-là, l'allié et le proche d'Allah. Que son islam soit nouveau ou ancien. C'est, voilà l'allié et le proche d'Allah. Voilà le bien-aimé d'Allah. Voilà celui qui est proche d'Allah. Voilà celui qui est honoré et qui est béni là où qu'il soit. Que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certes, les alliés, les proches d'Allah, n'ont aucune crainte à avoir et n'ont à avoir aucune tristesse. C'est clair ? Voilà le wali, le proche, l'allié d'Allah. Une question. Qui est le wali ? Est-ce que c'est celui qui est mort et qu'on a mis sur sa tombe une coupole ? Dans certaines contrées, dans certains pays, ils ne connaissent du terme wali que celui qui est enterré et il y a une coupole sur sa tombe. Est-ce que ça existe ? Voilà ce qu'ils connaissent. Et les vivants, les personnes vivantes, il n'y a pas de wali chez eux ? Il y a parmi les serviteurs que lorsqu'il invoque Allah, Allah ne repousse pas son invocation. Et c'est pour cela que les proches, les alliés d'Allah, ils n'ont à avoir aucune peur ni aucune tristesse. Une question pour vous. Citez certaines particularités du wali. Qui peut répondre ? احنا فصلناها علشان تستفيدون وتفهمون خلوكم في اطار الاجابه نعم احسنت ان يكون من اهل الاتباع ان يكون من اهل التوحيد بعيد عن الشرك بعيد عن الشرك ها تبع الرسول تبع السنه بعيدا عن البدعه عن البدعه هذه اربع ها أن يكون بعيدا من الشهوات ها خمس بعيدا عن الشبهات نعم أن يكون مستقيما على الأوامر أن يجتنب الكبائر والمحرمات هذه صفات ولي الله صعبة؟ Est-ce que c'est dur؟ هذا من حيث الكلام Ça c'est d'un point de vue de parole لكن من حيث التطبيق Mais dans la pratique Qu'Allah, on prie Allah qu'il nous accorde cela. Alors qu'en réalité, elle est facile. Pour celui à qui Allah lui a rendu facile. Qu'il soit homme ou femme. Donc, les alliés d'Allah, il y en a beaucoup. Et qu'Allah fasse de toi que lorsqu'il te donne, tu remercies. Celui qui donne, c'est Allah. Il nous a donné beaucoup de choses. Il nous a donné des bienfaits extérieurs et intérieurs. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Le plus grand bienfait qu'Allah nous a donné, c'est qu'il a fait de nous des serviteurs musulmans soumis. Voilà le plus grand bienfait. C'est qu'Allah nous a honorés et il nous a attribué la croyance, le dogme de l'islam. Toi, tu es devenu musulman de par ta naissance. Et celui qui est le frère qui est passé tout à l'heure, lui il est entré dans l'islam par le témoignage. Donc remercie Allah qui t'a fait naître de parents qui sont musulmans. Depuis que tu es né, tu es sur la ilaha illallah. Voilà une facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك الإسلام نعمة
Et c'est pour ça que l'islam est un bienfait. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام نعمة. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Donc l'islam est un grand bienfait. Allah nous a donné un grand bienfait qui est la raison. Et nous remercions Allah en l'adorant avec. لا أن نزيل العقل بالخمور والمخدرات. Et non pas de voiler cette raison par le vin, l'alcool et les drogues. أنعم الله عليك بالبصر. Allah t'a doté de la vue. فلا تغرقه في مشاهدة المحرمات. Donc ne n'utilise pas ce bienfait dans ce qui déplaît à Allah. أنعم الله عليك بالسمع. Allah t'a doté de l'ouïe. أنعم الله عليك بالكلام. Allah t'a doté de la parole. Allah a fait que tes membres sont sains et que tu n'es pas handicapé ou infirme. Allah t'a doté de la bonne santé. Dis, c'est lui qui vous a fait naître, qui vous a fait exister. Et il vous a donné l'ouïe, la vue et le cœur. Très peu remercie. C'est-à-dire, très peu de fois, vous faites preuve d'unicité à Allah. Fais attention qu'un membre de ton corps n'arrive pas à faire du polythéisme. Ne te prosterne jamais pour autre qu'Allah. Ne t'incline pas pour autre qu'Allah. N'immole pas pour autre qu'Allah. Ne jure pas par autre qu'Allah. Et ne fais pas de vœux pour autre qu'Allah. N'invoque pas autre qu'Allah. N'invoque pas en dehors d'Allah celui qui ne peut te ramener ni bénéfice ni nuisance. Et si jamais tu viens à le faire, alors tu feras partie des injustes. Fait partie de la perfection du remerciement, c'est que tes membres fassent preuve d'unicité à Allah. Avec ton cœur, avec ton corps, avec ta raison, avec ta richesse, tout doit faire preuve d'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si la personne, le serviteur est éprouvé, il fait preuve de patience et d'endurance. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ses bienfaits à ses serviteurs, de même il les éprouve. Parmi ses bienfaits, c'est que tu sois marié et que tu as une descendance, des enfants. Et tu as de la richesse et tu as du bien. Et autre que toi n'a pas cela. Et il se peut qu'Allah t'éprouve avec les bienfaits que tu as. Combien de personnes qui voyaient, maintenant ils sont aveugles. Combien marchaient, maintenant ils sont infirmes. Combien ont perdu leurs enfants. Combien ont perdu leurs épouses. Un bien-aimé à lui est décédé. Donc la personne est éprouvée par des malheurs. Gloire à celui qui détient la royauté et qui est capable de toutes choses. Celui qui a créé et qui a créé la mort et la vie. Et qui vous éprouve pour voir c'est qui agit en bien ou le mieux, de la meilleure façon. Donc ces épreuves dans la vie, on ne peut les dénombrer. Et ce sont des épreuves pour voir la satisfaction concernant le décret d'Allah.
que ce décret, ce destin soit bon ou mauvais. Et la troisième chose est lorsqu'il commet un péché, il demande pardon. Qui parmi nous n'a pas fait de péché? Tous ont commis des péchés. Combien de fois notre langue a glissé? Combien de fois nos yeux ont regardé des choses qui ne conviennent pas? Combien de fois nos oreilles ont entendu des choses qui ne conviennent pas? Combien de fois nos mains ont agi en mal? Combien de fois nos pieds? Et combien et combien de choses? Sache que tu as un Seigneur qui est généreux et qui est miséricordieux. Et il pardonne les péchés à ses serviteurs. Dis, ô mes serviteurs qui avaient désespéré en la miséricorde d'Allah, qui avaient été injustes envers leur propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Donc Allah, il pardonne les péchés de ses serviteurs qui demandent le pardon. Et certes, je suis pardonneur pour celui qui croit. Et je suis pardonneur pour celui qui se repent, qui croit et qui fait des bonnes œuvres. Et qui est donc dans la droiture. Sois droit comme il t'a été ordonné. Voilà concernant ces trois points. Voilà la définition même ou le titre même du bonheur. يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية نعم قل اللهم اسق من سقانا اللهم طيب واصل أنت خذك بالقراءة غيرك يخبرك قال المؤلف يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هو سر الوجود أقرأ الترجمة النص donc l'auteur dit sache qu'Allah te dirige vers son obéissance qu'al-hanifiyya le dogme d'Ibrahim est le fait que tu adores Allah en ne vouant ton culte qu'à lui. Et c'est cela qu'Allah a ordonné à toute l'humanité. Et il l'a créé dans ce but, comme il nous l'informe dans sa parole suivante. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Combien sont ceux qui comprennent la langue arabe? D'abord, je n'ai pas besoin de poser cette question normalement. Ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Et ceux qui n'ont pas levé la main, c'est quelle langue? Donc c'est pour dire que s'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas, donc la traduction est importante. Mais apprenez la langue arabe. Si tu apprends la langue arabe, tu vas comprendre. Et
Et ce qui t'aidera à beaucoup comprendre la langue arabe, c'est de beaucoup lire le Coran. اعلم هنا في بيان الحنين اعلم ارشدك الله لطاعته لا يزال في خطابه خطاب المشفق المتلقي donc le cheikh il continue dans sa façon de parler au lecteur en lui montrant qu'il a de la compassion envers lui. اين تجد شخص يعلمك ويدعو لك؟ Où est-ce que tu trouves qu'il y a une personne qui t'enseigne et au même moment il invoque Allah pour toi? Si tu dis à une personne, oh mon frère, ceci n'est pas bon, qu'Allah te facilite. Tu auras quelqu'un et tu dis, ceci n'est pas bon, c'est interdit. C'est laquelle la façon de faire qui est la plus acceptée? C'est la première. Car dedans il y a le conseil et il y a la véracité. Mais dans la deuxième, il y a du conseil véridique, mais dedans il y a de la dureté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comment a-t-il démontré son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui connaît le verset? Abima rahmatun min Allah linta lahum. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Allah dit sur son prophète Mohammed sallam, et c'est de par une grâce, une miséricorde de ton Seigneur que tu as été doux et tendre envers eux. Et si tu étais doté d'un cœur dur, ils ne seraient pas restés autour de toi. إذن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده لا شريك له. Donc al-hanifiyya qui est le droit chemin, le dogme authentique sur lequel était Ibrahim alayhi salam, c'est que tu adores Allah seul sans rien lui associer. Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa al-ibada min ajli dhalik. Et c'est pour cela, pour cette adoration, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé les créatures. Wa astashhadu bi qawlihi ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Et il s'est argumenté avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. يقول ابن عباس كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري وابن كثير تفسيره يعبدون أي يوحدون. الإمام ابن جرير الطبري dans son tafsir ainsi que l'imam ibn Kathir dans son tafsir il cite la parole de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما pour expliquer ce verset إلا ليعبدون que pour qu'ils m'adorent. Il a dit c'est-à-dire que pour qu'ils appliquent le monothéisme. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم. Donc l'auteur dit, après avoir compris qu'Allah t'a créé pour l'adorer, sache que l'adoration ne sera considérée comme telle qu'avec le monothéisme pur, tout comme la prière n'est considérée comme telle qu'avec la purification rituelle. Donc si l'association entache le monothéisme pur, elle rendra l'adoration vaine, tout comme lorsque la souillure annule la pureté rituelle. Comme Allah a dit, il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ce dont les œuvres sont vaines, et dans le feu, ils demeureront éternellement. Donc là, la question, elle est bien claire. Il t'a créé pour son adoration. Et l'adoration n'est appelée adoration que si elle est accompagnée par le monothéisme. Avec autre que le monothéisme, comment elle est appelée? C'est du polythéisme. Et le polythéisme, s'il vient à entrer dans l'adoration, elle devient vaine. Quelle est la preuve? La parole d'Allah. Et s'ils viennent à associer, alors tout ce qu'ils ont œuvré viendra à tomber. وحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشركاء
معي غيري تركته وشدي. Et aussi le hadith du prophète sallam, je suis celui qui me passe le plus d'un associé. Celui qui associe avec moi, je le délaisse et son associé. Et le polythéisme, quel qu'il soit, c'est du polythéisme. Et il fait tomber l'œuvre. Si un homme est venu se laver dans la mer, et après être sorti de la mer, il a eu un peu d'urine qui a coulé. Ou alors un lâchement de gaz. Est-ce qu'il peut prier? Même si c'est minime. Alors qu'il était en plein dans la mer. De même pour le monothéisme, l'adoration et le polythéisme. Je suis celui qui me passe le plus d'associés, celui qui associe même une petite chose, même une chose quelconque. Elle n'est pas précisée, que ce soit beaucoup ou peu. Mais entre dedans le peu et le beaucoup. Que dire alors de ce qu'on voit chez certaines personnes aujourd'hui qui demandent, cherchent le secours, qui s'immolent? Certains, même leur cœur, se sont penchés vers autre que Allah. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. En prenant conscience que lorsque l'association se mélange à l'adoration, elle la corrompt, annule les œuvres et fera entrer éternellement au feu celui qui le commet. Alors tu comprendras que la chose la plus importante pour toi réside dans son apprentissage, en espérant qu'Allah te préserve de tomber dans ce piège qui est l'association à Allah, et cela s'accomplira par l'étude de quatre règles qu'Allah a citées dans son livre. Et voilà le filet avec lequel le diable, Satan, vient à chasser ou à pêcher. Et voilà ce qu'il recherche matin et soir. Car celui qui vient à faire de l'association du polythéisme, ses œuvres viendront à tomber. Et il aura comme demeure le feu de l'enfer. Quelle est la preuve de cela? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui vient à associer à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et il aura comme refuge l'enfer. Et les injustes n'auront pas de secoureurs. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc le polythéisme est un danger. Tous les prophètes ont mis en garde contre le polythéisme. Voilà le prêche des messagers. Quelle est la preuve de cela? La parole d'Allah. Nous avons certes envoyé à chaque communauté, à chaque nation, un messager qui leur demande de n'adorer que Allah et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui. La négation de tout ce qui est adoré et l'affirmation de l'adoration à Allah. Fais attention à ne pas tomber dans le polythéisme. Et attention aux charlatans, aux sorciers, toute forme de polythéisme.
Et l'auteur va commencer à citer ce qui sauvera de ces choses-là. قال رحمه الله القاعدة الأولى. القاعدة الأولى. هو بيتكلم على أربع قواعد. Donc ça c'est la première règle et il va parler sur quatre règles. القاعدة هي الشيء الذي يقوم عليه غيره. La règle de base c'est le fondement sur lequel sont basées des choses. وليس القاعدة فكر بن لادن هذا. Ce n'est pas la pensée ou l'idéologie de Ben Laden. Ça, ce n'est pas une chose dans laquelle on est d'accord avec lui. Donc la règle de base, c'est la source même, le fondement même sur laquelle on construit. Cette construction, elle a été basée sur des fondements solides. Donc ces fondements, c'est l'origine, la base. Et donc les autres règles, elles viennent à être construites dessus. Et toi, dans ta religion, tu dois construire sur des fondements. Et ce nombre, il veut parler du nombre 4, il n'est pas voulu en lui-même. C'est seulement pour mieux faire comprendre et plus pour préciser les points, comme on a vu pour le wali, on a vu les huit points le concernant. Alors qu'on aurait pu dire que celui qui est pieux, c'est un proche d'Allah, ça aurait été suffisant. Mais certains n'auraient pas compris. Donc là, le détail et la subdivision, c'est pour aider à mieux comprendre. Et les paroles qui sont générales, qui sont globales, elles ont besoin de détails. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور وما أدخلهم ذلك في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Première règle, sache que les mécréants qui ont été combattus par le prophète, reconnaissez qu'Allah était le créateur, celui qui pourvoit la subsistance des créatures, qu'il était celui qui donne la vie, qui donne la mort, celui qui peut nuire aux créatures, tout comme il peut leur être profitable, celui qui administre toutes choses, malgré tout cela, n'a pas fait d'eux des musulmans. Et la preuve est la parole d'Allah. Dit, qui vous attribue votre subsistance à partir du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout? Ils diront Allah. Dit alors, ne craignez-vous donc pas. Je dis que la langue française, elle est belle, peut-être d'entendre, et qu'elle est facile. Donc la première règle, elle tourne autour d'une seule question. Que le monothéisme ou l'unicité d'Allah dans la seigneurie à lui seul ne suffit pas. Voilà. Pourquoi? Car les Quraysh, la tribu du prophète sallam, ils avaient cette croyance lorsqu'ils disaient que le seul créateur c'est Allah, celui qui donne la substance c'est Allah, celui qui donne la vie, qui donne la mort c'est Allah. Et voilà l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Est-ce que cela leur a été d'un quelconque bénéfice?
On voit des gens venir aujourd'hui. La khaliq illallah, la muhyi illallah, la muti illallah. Qui répète, il y a de créateur que Allah. Qu'il n'y a de pourvoyeur que Allah. Qu'il n'y a qui donne la vie ou la mort que Allah. Et ils disent, voilà le sens de la ilaha illallah. Celui-là n'a pas connu le sens de la ilaha illallah. Vous avez vu la personne qui est entrée dans l'islam ? Il a su que veut dire la ilaha illallah. Car je lui ai demandé, il a dit, ça veut dire qu'on n'adore que Allah. Ils savent que la ilaha illallah, ça veut dire que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Le problème, c'est que certains qui s'apparentent à l'islam. Ils disent que la ilaha illallah, cela veut dire, sa définition, c'est qu'il n'y a de créateur ou de pourvoyeur que Allah. Et de faire sortir la certitude sur les choses matérielles et de la rendre seulement pour le créateur de ces choses. Ce n'est pas ça le sens de la ilaha illallah. Ça, c'est le sens de l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et cela n'a pas été bénéfique pour Quraysh. Donc, le monothéisme est de trois sortes. Écoute bien. Premièrement, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et c'est de reconnaître qu'Allah, il est le seul, il est l'unique dans ses actes à lui. C'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. Ce sont des actes. Ça, c'est l'unicité dans la seigneurie. L'unicité d'Allah dans la divinité. C'est le deuxième. Et qu'on appelle aussi l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et consiste en l'unicité d'Allah dans les œuvres et les actes des créatures, leurs paroles, leur cœur, leurs richesses, leurs membres. Tout ce qu'ils accomplissent, ils ne le font que pour Allah. Voilà la question sur laquelle il y a eu la discorde. Il y a eu la mésentente entre les prophètes et messagers et leur peuple. Voilà ce qui nous a beaucoup fatigués chez beaucoup de musulmans aujourd'hui. Ils jurent par Allah. Ils font des vœux pour toi, Allah. Ils immolent pour toi, Allah. Ils tournent autour de choses. La recherche de refuge et plein d'autres choses. Nous avons vu cela dans beaucoup de pays musulmans. Il va devant des tombes, des mausolées, et tu le vois dans une humilité qui n'est permise que devant Allah. Voilà le polythéisme. Et c'est pour cela que Tawhid al-Rububiyya, c'est l'unicité d'Allah dans les actes du Créateur, subhanahu wa ta'ala, d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Tawhid al-Uluhiyya, c'est l'unicité d'Allah dans la divinité, c'est l'unicité d'Allah dans les œuvres des créatures. Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Nu'min, c'est qu'on ait la croyance. Anna lillahi asma wa sifat. Car Allah appartient des noms et des attributs. Rien ne lui est semblable, et il est celui qui entend et qui voit. On ne le fait ressembler à personne et on n'altère rien. Nous croyons en Allah et en ce qu'il nous a révélé. Voilà les trois sortes du monothéisme. Quraysh, elle en a un. Mais ces mécréants, cela ne leur a pas été bénéfique. J'espère que cela est bien clair. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما
ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة، نريد من الله لا منهم، لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم. ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أكمل النص. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مكرم. Deuxième règle. Les mécréants disaient à propos de ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah: nous ne nous sommes dirigés vers eux et ne les avons invoqués que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur, et cela ne se produira qu'en leur demandant leur intercession et en nous rapprochant d'eux. Et la preuve qu'ils leur demandaient de les rapprocher d'Allah se trouve dans la parole du Très-Haut. Et ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera sur ceux en quoi ils divergeaient. Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. Et la preuve qu'il leur demandait l'intercession se trouve dans la parole du Très-Haut. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent: ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis: informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Et l'intercession est de deux types: une intercession reniée et une intercession confirmée. L'intercession reniée est celle qui est demandée à un autre qu'Allah concernant une chose qu'Allah seul peut accomplir. Et la preuve de ce type d'intercession est la parole d'Allah: ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Et l'intercession confirmée est celle qui est demandée à Allah, et l'intercesseur en sera honoré, et elle sera effectuée en faveur de celui dont Allah a agréé les paroles et actes après la permission d'Allah. Comme Allah le Très-Haut a dit: qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Elle a dit: on remercie le frère qui fait la traduction par les gestes. هنا بين أن سبب وقوع الذين وقعوا في الشرك بسبب مسألة. Là, il explique, il clarifie que la raison de ceux qui sont tombés dans le polythéisme est due à deux choses. أختصرها لك. Je vous la résume. القاعدة الثانية تبين أن الشرك من وقع في الشرك بسبب القربة والشفاعة. Il explique que dans cette deuxième règle, que celui qui est tombé dans le polythéisme est dû à la recherche de l'approche et de l'intercession. بمعنى, qui veut dire أن هؤلاء الذين وقعوا فيهم في الشرك, que ceux qui sont tombés dans le polythéisme, قالوا عنهم هؤلاء قريبين من الله. Ils ont pris ses associés avec Allah parce qu'ils ont dit que ceux-là sont les proches d'Allah. فنحن نتقرب بهم إلى الله. Donc on se rapproche d'eux pour atteindre Allah. يعني هم واسطة إلى الله. Donc ils sont un intermédiaire pour atteindre Allah.
تدرون لماذا؟ Vous savez pourquoi؟ لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق. Car ils ont fait ressembler le créateur aux créatures. كيف شبهوا؟ Comment ça؟ قالوا الملك عنده مقربين. Ils ont dit le roi, un roi, un souverain, il a des proches. فالقريبين منه. Donc ceux qui lui sont proches. يوصلون حاجات الناس إليه. Ils lui font parvenir à ce souverain les besoins des gens. فنحن الصالحين قريبين من الله نسألهم حتى يقربونا إلى الله. Et donc nous on considère que les pieux, les vertueux sont proches d'Allah. Donc on se rapproche d'eux pour que eux ils nous rapprochent d'Allah. أما علم الفجرة. N'ont-ils pas su ces pervers, الضالين, ces égarés, أن المخلوق ليس كالخالق. Que la créature n'est pas comme le créateur. وأن الله ليس بحاجة إلى من يخبر بحال عباده. Et qu'Allah n'est nullement dans le besoin que quelqu'un l'informe des besoins de ses créatures. Car Allah connaît ce qui est en secret et encore bien plus. Ne sait-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le compatissant, celui qui connaît? Rien ne lui échappe. Il connaît tout ce qui est dans le silence ou dans le secret. Invoquez-moi, je répondrai à votre appel. Il est bien plus proche de vous que la veine jugulaire. Donc Allah n'est nullement dans le besoin de cela. Que quelqu'un vienne servir d'intermédiaire. Et voilà un problème. الصالحين وقربهم وتأخذونهم واسطة هذه مشكلة قديمة. Et donc le fait que certains prennent les vertueux, les pieux comme intermédiaire, c'est un problème qui est ancien. Depuis l'époque de Nuh عليه السلام. ومتكررة ومتجددة بصور كثيرة. Et elle se répète, mais des fois sous des formes, des images autres. يهوذ ويعوق ونسرة. تعرفونهم؟ Il cite les noms des divinités qu'il y avait à l'époque de Nuh. لا تعلمهم يغوث ويعوق ونسرة تعرفونهم؟ savez qui ils sont؟ هل تعرفون يغوث ويعوق ونسرة؟ هرج طيب est-ce que vous les connaissez؟ واد سواع يغوث يعوق نصر vous les connaissez؟ vous savez c'est qui؟ من هم؟ c'est qui؟ عباد صالحين ce sont des serviteurs des serviteurs qui s'étaient vertueux. Mais à l'époque de Noé, ils en ont fait, le peuple de Noé, ils en ont fait des idoles. Quand? Une fois qu'ils sont morts, ces hommes. Donc c'est des hommes vertueux. Ces gens ont dit, nous avons beaucoup de péchés, nous sommes pauvres. Et ceux-là sont vertueux. Donc ils les regardent et ils leur demandent pour qu'ils les rapprochent d'Allah. Et ceci s'est répandu chez les gens. Et là Allah a envoyé Nuh alayhi salam. Et il est resté auprès d'eux 1000 ans. Sauf 50 ans. Et malgré cela, ils n'ont pas été dans le shirk. Mais avec tout cela, leur croyance dans le polythéisme n'a pas été perturbée. Et très peu ont cru en lui. Et à ce moment-là, il a fait une doa, une invocation contre eux, car Allah, il ne laisse personne parmi ses mécréants sur terre. Et là, la pluie est tombée pour les anéantir. فأهلك الله من على الأرض جميعا. يا الله أنيانتي tous ceux qui étaient sur terre. ونجا أهل التوحيد. Et ont été sauvés de cela que les monothéistes. اللي على الأرض اليوم. Et ceux qui sont sur terre aujourd'hui. ذرية من نجا مع نوح. C'est la descendance de ceux qui ont été sauvés avec Noé. وكان آباؤهم على التوحيد. Leurs ancêtres étaient sur le monothéisme. عاد الناس فعبدوا الأصنام. Et les gens en sont revenus à nouveau à adorer les idoles. عبدوا ولا ما عبدوا. Ils les ont adorés ou pas? على الشرك كلهم ماتوا. Alors qu'à ce moment-là, أغرقهم الله أجمعين طوفان. Tous ceux qui étaient dans le polythéisme, Allah les a anéantis.
Allah les a noyés dans le déluge. Ils sont revenus à l'adoration des statues. Et c'est pour cela qu'un des plus grands problèmes, c'est l'exagération, l'excès dans les personnes vertueuses. Que ce soit dans le dogme, dans les écoles de pensée, dans la politique, dans toutes choses. L'exagération, l'excès dans toutes choses, ce n'est pas bon. Donc là, ils ont exagéré dans les vertueux. Et ils leur ont donné ce qui est propre à Allah. Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam. Ata qawmahu wa hum ya'budun. Al-asnam. Il est venu à son peuple et il les a trouvés en train d'adorer les statues, les idoles. Ma'an qabla qad huddimat fi ahd Nuh. Alors que à l'époque de Noé, tout cela avait été détruit. Adou ila al-asnam. Ils en sont revenus à nouveau aux idoles. Kassaraha bi yadihi. Et avec ses propres mains, il les a cassés. Thumma da'a rabbahu. Puis il a invoqué son Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Ô mon Seigneur, préserve-moi ainsi que ma descendance d'adorer les idoles. Qui peut se sentir à l'abri de l'épreuve après Ibrahim? Il a invoqué son Seigneur parce que la question est dangereuse. Les gens sont revenus à nouveau à adorer les idoles. Les prophètes sont venus comme Moussa alayhi salam, comme Isa alayhi salam. Et les gens adorent les idoles. Le prophète Mohammed est arrivé. Et les gens sont rattachés aux idoles. Allat wa Manat wa Uzza. Parmi ces idoles, il y avait Lat, Wal, Uzza. Qui sont ceux-là? Des hommes vertueux à la base. Et ceux qui sont dans les tombes et dans les mausolées aujourd'hui. Ce sont des hommes vertueux. Et le prophète m'a fait une invocation qu'Allah ne fasse pas de sa tombe une statue ou une idole qui est adorée. Ce sont des idoles, des statues à qui on demande et à qui on demande secours et aide. Et le prophète sallam a cassé les idoles et les statues. Et il fait signe vers elles. Et il dit, la vérité est arrivée et le mal a été anéanti, car le mal est amené à être anéanti. Et le monothéisme s'est propagé. L'islam s'est propagé. Et les sahabes, les tabi'in et ceux qui les ont suivis ont propagé le monothéisme. Et aujourd'hui, dans le monde islamique, on a plus de 20 000 coupoles. Et on fait auprès de ces mausolées, de ces coupoles, ce qui doit être propre à Allah. Et on envoie qui invoque et qui demande secours et aide au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son oncle paternel et à ses proches, demandez-moi de ma richesse, de mes biens, ce que vous voulez. Car je ne pourrai rien pour vous auprès d'Allah. Et à sa propre fille Fatima, radiallahu anha, il lui dit, oh ma fille Fatima, demande-moi de mes richesses, de mes biens, ce que tu veux. Car je ne pourrai rien pour toi auprès d'Allah. Et il lui dit ça alors qu'il est encore vivant. Je ne peux rien. Et après sa mort, alayhi salatu wa salam, les gens disent si, il peut servir. À sa propre fille, qui est la plus proche de des personnes, il lui dit, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu wa arda. Wa al-Husayn ibn Ali, radiyallahu anhu. Et al-Husayn ibn Ali, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ali ibn Abi Talib. ألم يكون يوم خيبر أصابه رمد
N'est-ce pas que Ali, le jour de Khaybar, avait eu une maladie à son œil? Comment peuvent-ils lui demander de guérir les malades alors que lui, lorsqu'il a été, il avait la maladie à l'œil, il n'a pas pu se guérir? N'a-t-il pas été tué, radiallahu anhu? ألم يقتل حسين؟ لماذا لم يدفع عنه؟ الحسين رضي الله عنه تلبا يتيوي؟ لا يعلمون غير. كم أسفة؟ هم ما حيا لا يعلمون. الآن بعد موته يقولون يعلمون. كم أسفة؟ qu'ils n'ont pas pu repousser l'assassinat, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'invisible et le futur. Et les gens viennent à dire que ces gens connaissent le futur et l'invisible. قبور وهذه الاستغاثات غلط. Donc ces tombeaux et ces recherches de ces demandes de secours, c'est une erreur. C'est de la, c'est du polythéisme. أضرب لكم مثال بالحسين بن علي رضي الله عنه. Je vais vous donner un exemple par Hussein ibn Ali رضي الله عنهما. في العراق. En Irak. نعم. في العراق. قبر الحسين. En Irak, il y a le tombeau de Hussein. في الشام قبر الحسين. En Syrie, il y a le tombeau de Hussein. في مصر قبر الحسين. En Égypte, il y a le tombeau de Hussein. كم الحسين؟ Il y a combien de Hussein؟ لماذا الاستخفاف بعقول الناس؟ Comment se fait-il qu'on se moque de la raison des raisons des gens؟ عباد صالحون. Des serviteurs qui sont vertueux. Ils ne peuvent ni être bénéfiques ni être nuisibles. ما دفعوا الضر عن أنفسهم. Ils n'ont pas pu repousser le mal pour leur propre personne. ومن نسب علم الغيب لغير الله كفر. Et celui qui prétend que quelqu'un d'autre qu'Allah connaît al-ghayb aura mécru. كائنا من كان من البشر. Quelle que soit cette personne. رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أوحى الله إليه. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, alors qu'il est le messager d'Allah, il ne sait que ce qu'Allah lui a révélé. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. Et si je connaissais le ghaib, j'aurais fait en sorte qu'il n'y ait que le bien qu'il me touche. بل حتى يوم القيامة رسول الله لا يعلم الغيب. Même le jour du jugement dernier, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ne connaît pas le ghaib. ألا يأتي الناس يوم القيامة وتأتي أمته ويراهم ويقول أصحابي؟ N'est-ce pas que ce jour-là, il verra des membres de sa communauté et il dira mes compagnons. ماذا تقول الملائكة؟ Et les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire؟ إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. Et les anges vont dire au prophète صلى الله عليه وسلم, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. معنى؟ Qu'est-ce que cela veut dire؟ إنك لا تدري. معنى؟ Tu ne sais pas. Lorsqu'on lui demande l'intercession, et ce point ne lui appartient pas, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui donc peut intercéder auprès de lui si ce n'est par sa permission? La permission à l'intercesseur et la satisfaction et l'agrément pour celui qui a été intercédé. Et Allah n'est pas satisfait des polythéistes, ceux qui ont défié de la religion. فيقول الله تبارك وتعالى بعد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح الله عليه من محامد الدعاء. Et donc lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم viendra se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il aura fait les louanges à Allah, Allah lui dira, ô Muhammad, lève ta tête et demande, il te sera donné. Et intercède, ton intercession sera acceptée. Allah lui donne la permission d'intercéder. Et nous, qu'est-ce que nous disons? Allahumma rzuqna shafa'at nabiyyik. Oh Allah, accorde-nous l'intercession du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. لو أن شخصا قال يا رسول الله اشفع لي. Si quelqu'un وشخصا آخر قال اللهم رزقني شفاعة نبيك أيهم صح؟ Donc si quelqu'un vient à dire, oh Allah, accorde-moi l'intercession de ton messager. Et l'autre vient à dire, oh messager d'Allah, intercède pour moi. Qui est dans la vérité? اللهم ارزقني شفاعة نبي. C'est le celui qui a dit, oh Allah, accorde-moi l'intercession de ton prophète. هذه هي المثبتة. Voilà celle qui est affirmée. والمنفية. Et celle qui est reniée, qui est rejetée. أن يسأل مباشرة. C'est qu'il demande directement au prophète. فالشفاعة لله جميعا. كل شفاعة لله. Toute l'intercession. لا يملكها أحد. Appartient à Allah. Personne ne la possède, si ce n'est Allah. طيب.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Troisième règle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé au milieu des gens dont les actes d'adoration étaient diversifiés. Certains adoraient le soleil et la lune, d'autres adoraient des hommes pieux, d'autres encore adoraient des anges ou même des prophètes, et certains adoraient des arbres et des pierres. Et il les a combattus de la même manière, sans faire de distinction entre eux. Et la preuve qu'il les a combattus sans distinction est la parole d'Allah le Très-Haut: et combattez-les jusqu'à qu'il ne subsiste plus de troubles et que la religion soit entièrement vouée à Allah. La preuve en ce qui concerne l'adoration du soleil et de la lune est la parole d'Allah. Parmi ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. La preuve concernant les hommes pieux est la parole d'Allah, dit: invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni le moyen de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. La preuve au sujet des anges est la parole d'Allah. Et un jour il les rassemblera tous, puis il dira aux anges: est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront: gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns
en qui la plupart d'entre eux croyaient. Ce jour-là donc, vous n'aurez aucun moyen pour profiter ou nuire les uns aux autres, tandis que nous dirons aux injustes, goûtez au châtiment du feu que vous traitiez de mensonge. La preuve concernant les prophètes est la parole d'Allah. Et lorsqu'Allah dira, ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah, il dira gloire à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certainement su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne l'aurais dit que ce que tu m'avais commandé, c'est-à-dire adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé vers toi, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. La preuve à propos des arbres et des pierres est la parole d'Allah. Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza ainsi que Manat, cette troisième autre, ainsi que le hadith d'Abu Aqid al-Layfi, qu'Allah soit satisfait de lui. Nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Hunayn, alors que nous venions de quitter la mécréance depuis peu de temps. Les polythéistes s'étaient installés auprès d'un arbre nommé Dhatul Anwat, sur lequel ils accrochaient leurs armes. Puis nous sommes passés près d'un arbre et avons dit, ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre, Dhat Anwat, de la même manière qu'ils ont un Dhat Anwat. Alors le prophète s'est exclamé, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ceux-ci sont les mêmes chemins par celui qui tient mon âme dans sa main. Vous avez dit la même parole que les enfants d'Israël ont prononcée à Moussa alayhi salam lorsqu'ils lui dirent, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il, Moussa alayhi salam, dit, vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduque et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit, chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah alors que c'est lui qui vous a préféré par rapport aux autres. القاعدة الثالثة تدور على كلمتين. لا توازيام. لا توازيام règle concerne deux points. Elle tourne autour de deux points. كل من عبد غير الله أشرك. Tous ceux qui adorent autre que Allah ont fait du polythéisme. Voilà. Voilà. Il y a plein de gens. Oui, oui. Oui. Pour la واحدة. Non, non. إذا حجر. Donc une de la pierre. حجر. شجر. Des arbres. بشر. Des humains. قبر. Une tombe. حيوان. Des animaux. صنم. Une statue. بقر. La vache. أي شيء. Toute chose. كله عبد غير الله. S'ils sont adorés, c'est lui qui les a adorés, il a adoré autre que Allah. Nous a-t-il pas cité des versets dans lesquels on retrouve que même des prophètes ont été adorés? Quand Allah dit à Isa alayhi salam, est-ce que c'est toi qui as dit aux enfants d'Israël, prenez-moi ainsi que ma mère comme divinité en dehors d'Allah? Si ça. C'est concernant Isa alayhi salam. Que dire alors de ceux qui sont en dessous de lui? C'est clair? Voilà. Donc quelqu'un ne vient pas dire non, 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 tu n'as pas compris. Ceux-là, ils avaient adoré des statues. Et ceux-là, ce sont des hommes vertueux. Alors on lui dira, stop-toi, arrête-toi, et on va voir celui qui n'a pas compris. Est-ce que tu sais les statues, les idoles, qu'est-ce que cela signifie? S'il te dit, ce sont des serviteurs vertueux, alors on lui dira, elle est où la différence pour celui qui en a fait une statue ou pour celui qui en a fait un objet d'adoration comme une tombe? Si il est une personne raisonnable, il va comprendre et il va revenir. Et si il n'arrive pas à comprendre, alors ne te fatigue pas. Car la vérité est claire. Al-Jailani. Cheikh Al-Jailani. Sidi Abdel Qadir. Où Al-Jailani? La Thani.
نعم صغيرة. عبد القادر. سيدي علي. سيدي علي. العنسي ابن علوان. سي دي نون دو. بدوي أحمد. كثير. بوكو دوم كي سون أدوري. بوكو يعني كثير. كثير. بوكو. أبدوا. Ils ont adoré. Ils leur demandent, ils les invoquent. Ils se rapprochent d'eux par des vœux, des offrandes. Celui dont son cœur est attiré par la vache. Ou il a un penchant vers la vache ou vers un humain. Ou une pierre. Ou un arbre. Celui-là, son cœur s'est penché vers autre que Allah. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et donc, n'invoque pas en dehors d'Allah, en dessous d'Allah, celui qui ne peut ni t'être bénéfique, ni t'être nuisible. Si jamais tu en arrives à commettre cela, tu seras parmi les injustes. الملائكة وهم الملائكة على طهرهم نوين عنها. Les anges. والأنبياء وغيرهم. Alors que les anges sont des créatures pures, purifiées. On ne peut. Même les prophètes. الثالثة تدور على هذا. La troisième règle, elle tourne autour de ça. اختصار. En résumé. القاعدة الأولى. La première règle. أن توحيد الربوبية لا ينفع لوحده. Que l'unicité d'Allah dans la seigneurie à lui seul ne peut être bénéfique. القاعدة الثانية. La deuxième règle. أن سبب وقوع الناس في الشرك بسبب القربة والشفاعة. La cause qui a poussé les gens à tomber dans le polythéisme, c'est de vouloir se rapprocher et de chercher l'intercession. استعرضنا نبذة تاريخية للرسل قصيرة في مسألة الأصنام الصالحين والقربة والشفاعة. Nous avons vu chronologiquement quelques récits des prophètes et des pieux concernant l'apparition. إلى يوم الناس. De l'adoration des statues. القاعدة الثالثة. La troisième règle. كل من عبد غير الله أشرك. Tous ceux qui adorent autre que Allah sont tombés dans le polythéisme. فلا يأتي هذا يقول لا نحن عيسى بن مريم وهذا يقول لا نحن رجال صالحين عيسى أو غيره نبي أو صالح أو ملك أو شجر أو حجر أو أي شيء حكمهم واحد ليكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الفتنة الشرك. Donc, qu'il n'y ait pas un qui vient dire non, mais nous, c'est Isa qu'on adore, ce n'est pas comme non. Que ce soit Isa, que ce soit un homme pieux, que ce soit des pierres, que ce soit des arbres, quoi que ce soit, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on n'a pas le droit. Même des anges, on n'a pas le droit de les adorer. Voilà nous, voilà Ibrahim, voilà Isa, voilà Moussa, voilà Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فلا عيسى ولا موسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا محمد صلى الله عليه وسلم. ني عيسى ني موسى ني إبراهيم ني نوح ني محمد عليهم الصلاة والسلام. Personne d'entre eux on ne les adore pour que la religion soit réservée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul on adore. Et combattez-les jusqu'à qu'il n'y ait pas de trouble. Et le trouble ici c'est le polythéisme et que toute la religion appartienne à Allah. حبك للصالحين لا تأخذهم معبودين دون رب العالم. Ton amour pour les hommes vertueux ne doit pas t'amener à les prendre comme des adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. هل قال رسول الله يا نوح؟ Est-ce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit ô Nuh؟ يا إبراهيم. ô Ibrahim. يا عيسى. ô عيسى. يا موسى. ô موسى. Est-ce qu'il les a invoqués؟ وهم قبلها ابني أنبياء صالحين. Alors que c'était des prophètes vertueux avant lui. أم قال يا الله. Ou alors il a dit ô Allah. الأنبياء قبله كلهم يدعون من؟ Et les prophètes avant lui qui ils ont invoqués؟ لم يدعوا بعضهم بعض إنما يدعون. Les uns n'ont pas invoqué les autres mais ils ont tous invoqué Allah. لأنهم كلهم أرسلهم الله لذلك. Car tous ils ont été envoyés à Allah pour cette mission. Et nous avons envoyé à chaque nation un messager qui appelle son peuple à l'adoration que d'Allah et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui. Ils viennent vous voir maintenant et ils disent vous n'aimez pas les vertueux. Et est-ce qu'on va dire que le prophète n'aimait pas les prophètes et les vertueux?
فما دعاهم من دون رب العالمين. إلزا بان أفوكي وأدوري أن دور الله. نحن نحب الأنبياء والمرسلين. Nous n'aimons les prophètes et les messagers. Et nous aimons les vertueux. Mais on ne les met pas au même stade que le Seigneur des mondes. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين لأن الأولين يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Quatrième règle. Les associateurs de notre époque sont dans un polythéisme plus intense que ceux d'avant, car ils vouaient leur culte exclusivement à Allah lorsqu'ils étaient dans la difficulté et se remettaient à lui donner des associés lorsqu'ils se retrouvaient dans l'aisance, alors que ceux de notre époque lui donnent des associés aussi bien lorsqu'ils sont dans la difficulté que lorsqu'ils sont dans l'aisance. Et la preuve est la parole d'Allah. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'ils lui donnent des associés. Qu'ils nient donc ce que nous leur avons donné et jouissent des biens de ce monde. Ils sauront bientôt. Voilà la clarification de la dernière question. الأولين إذا صابتهم مصيبة قالوا إن شدتهم يا الله وإذا عادوا لأخاهم يغوث يعوق نصرة. Les gens d'avant, lorsqu'ils étaient dans la difficulté extrême, ils n'invoquaient sincèrement que Allah, lui seul. الآن لو أصيب شيء في الشدة أول ما يتذكر. Et maintenant, lorsque quelqu'un est touché par un mal ou un malheur, la première des choses qu'il se rappelle, Ya Sidi Flan, oh mon maître Intel ou le Cheikh Intel, Ya Ahlullah, les gens d'Allah, Ya Rijal al-Blad, ou les gens du pays, Ya Salihin, ou les vertueux, Mawjoud ou la mach Mawjoud, ça existe ou pas? Mawjoud, ça existe. Fa ayyuha a'zam, donc quel est le pire? Les awwalin li fi shidda yalja'un li Allah wa fi ar-rakha yushrikun. Les premiers polythéistes qui, eux, ne faisaient du polythéisme que dans l'aisance, mais dans la difficulté, ils étaient sincères. Ou ceux d'aujourd'hui qui, dans la difficulté et dans l'aisance, ils sont dans le polythéisme. Dans la difficulté et dans l'aisance, il est dans le polythéisme. Quel est le plus dangereux? Répondez. L'état des derniers. Et voilà le danger. Un des grands savants de l'Inde, le Cheikh Siddiq Hassan Khan Al-Qannouji, il dit donc il écrit dans son livre qui rapporte son voyage, qui raconte son voyage vers l'Hajj. Son voyage vers pour le pèlerinage, et il est mort en l'an 1307 de l'Hégire. Donc il a pris le bateau de Aden au Yémen jusqu'à Jedda en Arabie. Donc dans un bateau. Il écrit ceci dans son livre. Lorsqu'on s'est approché de Jeddah, la mer a été secouée. Et un grand vent est arrivé. Et on avait des vagues comme des montagnes. Et nous avons pensé que nous allons être anéantis. Et on a vu les gens interpeller leurs saints. Et donc ils appelaient les vertueux, les saints. Ya ibn Alwan, ya Ansi. فيقول الشيخ. Et le cheikh dit. كتابه. Dans son livre. إن الأولين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. Les premiers polythéistes, lorsqu'ils étaient sur le bateau,
ils ne connaissaient qu'Allah. Et ceux-là, ils en arrivent à invoquer les créatures. Alors là, quand j'ai vu ça, il a dit, j'ai eu peur que l'anéantissement il soit encore plus grand. Que Allah il se mette en colère contre nous. Des moments. De moments, normalement, on doit s'en remettre à Allah. Les cœurs sont, ont un penchant pour autre que Allah. Et voilà l'attachement caché. Et une des sortes de polythéisme, c'est le polythéisme en secret. La peur du, en secret. Et je vous donne un exemple. Vous voulez? بعض الناس إذا تكلم في بعض المشعوذين أو السحرة أو أصحاب القبور هؤلاء. Certaines personnes lorsqu'ils viennent parler sur les charlatans, les sorciers. وهم لوحدهم. Et ils sont seuls. وسماه وتكلم عليه وذكر بسوء. Et qu'il a parlé sur lui en mal. قال الذي بجواره اسكت لا تصيبنا مصيبة. Il lui dit, et l'autre il est à côté, il lui dit tais-toi, ne dis pas ça, on va être touché par un mal. أو ساحر أو كاهن أو غير ذلك. Donc, en parlant d'un sorcier ou d'un charlatan. Est-ce qu'on ne voit pas cela? Voilà la peur en secret. Car ils pensent que celui qu'ils ont cité, il va être au courant, il connaît l'invisible. Et ça, ceci fait partie du polythéisme. Et je reviens à l'ouvrage. Donc, dans l'ouvrage, il a parlé des aspects de l'allié d'Allah. Il a fait l'invocation qu'Allah fasse de toi un wali. Il a cité les sortes du bonheur, les trois, et on les a précisés. Dans le remerciement, la patience et la demande de pardon. وأيضا تكلم في القاعدة الأولى أن il a parlé dans la première règle توحيد الربوبية لا ينفع que l'unicité d'Allah dans la seigneurie à lui seul ne suffit pas وفي القاعدة الثانية et dans la deuxième règle على القربة والواسطة que les causes du polythéisme sont dues à la recherche du rapprochement et de l'intercession وفي الثالثة أن جميع المعبودات حكمها واحد et dans la troisième règle que toutes les créatures tout ce qui est adoré en dehors d'Allah leur jugement n'est qu'un que ce soit un prophète ou un vertueux ou une vache ou un arbre ou une pierre tout cela est nommé polythéisme et la quatrième règle il a clarifié dedans que le polythéisme des derniers est bien plus pire, bien plus dangereux que le polythéisme des premiers. C'est un très bel ouvrage. On a gagné bénéfice de toutes ces recommandations. On qu'Allah nous accorde le bien, la bienfaisance et la piété. Et des œuvres qu'il agrée. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. Et nous demandons à Allah de nous protéger contre le mal de nos propres personnes. وسيئات أعمالنا. Et contre le mal de nos œuvres. ونسأل الله يميتنا على لا إله إلا الله. Et nous demandons à Allah de nous faire mourir en tant que soumis sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ونعوذ بالله من الشرك والبدع. Et nous demandons à Allah la protection contre le polythéisme. والشهوات والشبهات. Et contre les passions et les ambiguïtés et que la prière et le salut soient sur Mohammed sallam ainsi que sur ses compagnons, sa famille et ceux qui se sont alliés à eux. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La basse. تفضل انت كون في الدرس اذن انت كون في امور العبادات في احكام العبادات الصلاه والطهاره طيب أك
أكثرها في ماذا؟ في يقول غالب الأسئلة أتت في الربا. Donc pour les questions-réponses, le cheikh a demandé que ce soit en premier lieu des questions qui ont un rapport avec le cours. Le frère a dit qu'il n'y a pas de questions en rapport avec le cours. Et le cheikh a demandé que les questions soient en rapport avec la pratique religieuse. Donc apparemment, il y a beaucoup de questions concernant les intérêts et l'usure. Et le cheikh dit, le jugement concernant les intérêts et l'usure, c'est l'interdiction. Tu vas commettre l'usure et les intérêts, après tu essaies de trouver une issue. Repentez-vous à Allah. Vous n'avez que votre capital. Aucune injustice ne vous est faite et vous ne la faites envers aucune personne. Chère personne, je demande inchallah les frères de s'asseoir. Barakallahu fikoum, comme les frères assis, vous, le cheikh vous demande de vous asseoir. Et il vous remercie. Merci. هناك أسئلة تتعلق بالأمور الاجتماعية والأسرة. هناك أسئلة تتعلق بالأمور الاجتماعية والأسرة. Donc il y a des questions concernant les questions sociales et questions familiales. أيها الرجال. Oh vous les hommes. اتقوا الله. Craignez Allah. في نسائكم. Dans vos femmes et vos épouses. بالاحترام. D'avoir du respect. والتقدير. D'avoir de la reconnaissance. Car cette femme, c'est ta maman. C'est ton épouse. C'est ta sœur. Ta fille. Tu vas au travail. Et elle, elle lave tes vêtements. Tu vas au travail. Et elle prépare ta maison. Et elle te préserve. Dans ton honneur, tes vêtements sont propres, tes ustensiles sont propres, ta maison elle est propre, et tu rentres dans cette maison en étant énervé, sans aucune salutation, sans aucune parole, en disant seulement elle est où la nourriture, pourquoi il y a trop de sel, pourquoi les vêtements ne sont pas propres. Et dans la maison, il y a deux ou trois enfants à toi. Elle nettoie cet enfant. Et elle essaie de soigner tel enfant. Et toi, tu rentres en étant énervé. Ceci n'est pas bon, n'est pas convenable. Ô toi, la femme, fais preuve de piété, crains Allah. Dans ton mari, ton mari se fatigue. Et il trouve de la difficulté. Il rentre en étant fatigué. Dès qu'il rentre, tu lui dis qu'il manque des choses. On n'a pas ça, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Je suis fatigué. Fais pour moi ça. Crains Allah, ô femme. Sois clémente envers l'homme. Achète du vêtement. Ils m'ont vu avec ce vêtement la dernière fois dans la cérémonie. Dans une autre cérémonie, je ne pourrais pas mettre ce même vêtement. Le même vêtement, j'y assiste avec dans 20 cérémonies. C'est le même vêtement. Je ne changerai pas. Et les vêtements ne vont pas me changer. Ta beauté, elle est dans ton comportement. Elle n'est pas dans le nombre de vêtements. Et tu fatigues l'homme en lui demandant beaucoup de dépenses. Nous demandons aux femmes, craignez Allah et soyez clémentes envers les hommes. Et ô toi l'homme, ne sois pas
avare envers ton épouse. Et concernant le fait de retourner dans vos pays d'origine, je prie Allah que l'année ne se termine pas sans que cela ne se concrétise pour vous. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله بودي اسلم عليكم جميعا j'aurais voulu vous saluer un par un tous ولكن نتاخر لاننا في سفر mais le temps il presse et il a un voyage qui l'attend فتعذروني اذا ما تعذروني اجلس واسلم عليكم كلكم si vous me le permettez pas de partir je vais attendre et puis vous saluer un par un هل انا معذور est-ce que je suis pardonné Merci. Zéna, hein? Ça va.